c'est la première venue, non seulement en Côte d'Ivoire, mais de façon générale en Afrique noire, et en plus, je dirais encore plus fortement, c'est la première fois que j'ai l'occasion de prendre la parole comme historien, comme universitaire en Afrique noire. Donc c'est pour moi une très grande première et j'en suis moi-même très honoré. Alors je vais, si vous voulez, vous parler de celui que nous appelons Saint-Augustin, né en 354, donc dans l'Empire romain, et il est mort en 430, toujours dans l'Empire romain, mais cela commençait à aller mal, car quand Augustin est mort, les Vandales, qui étaient descendus de l'Europe du Nord-Est sur la Gaule et puis sur l'Espagne, les Vandales avaient traversé le détroit de Gibraltar et ils étaient arrivés en Afrique. Donc quand Augustin meurt, il meurt dans une ville qui est assiégée par les Vandales qui vont créer un tout nouveau royaume en Afrique du Nord qui ne sera plus du tout l'Empire romain. Alors donc je vous parle de quelqu'un qui est très loin dans le temps, qui a une particularité qui peut vous intéresser, qui a d'ailleurs intéressé dans les années précédentes mes étudiants africains de telle ou telle université, c'est que Saint-Augustin est un Africain. Il est né en Afrique du Nord, sur ce qui serait l'actuel territoire de l'Algérie, à quelques kilomètres de la frontière avec la Tunisie. Et même s'il est passé un moment par Rome et par Milan, il est retourné en Afrique et il a passé, dans sa longue vie de 76 ans, il a passé environ 70 ans en Afrique. Il aimait cette Afrique et il a même été critiqué comme Africain. Dans l'une de ses dernières polémiques, il a affaire, lui qui est un vieil évêque, très expérimenté, il a affaire à un jeune évêque italien qui est très brillant, qui est conscient de ses origines sociales élevées et qui considère Augustin comme un lointain Africain ressemblant plus aux Carthaginois jadis ennemis de Rome qu'à un véritable Romain. Donc vous voyez, Augustin lui-même, au fond, a été d'une certaine manière, à un certain moment de sa vie, un peu victime de ses origines africaines, vous voyez, face à l'étroitesse d'esprit d'un jeune évêque, forte tête, qui lui avait la fierté d'être italien, donc plus près de Rome. Alors, si vous voulez, c'est un paradoxe de l'histoire, celui qu'on appelle quelquefois le père de l'Occident, hein, l'un des très grands maîtres à penser de l'Europe, est un Africain. Et il a écrit l'essentiel de son œuvre sur le territoire africain. Que peut nous dire cet homme qui est loin dans le temps pour nous, un peu moins loin dans l'espace, vous remarquez, mais loin dans le temps, qui a été pendant environ 35 ans un évêque très actif. Il peut nous dire quelque chose déjà qui intéresserait un économiste comme mon éminent voisin, c'est que, et qui intéresserait aussi d'autres personnes ici parmi les juristes, c'est que Augustin a été amené à rendre la justice en tant qu'évêque. L'empereur Constantin, quand il a légalisé le christianisme au début du IVe siècle, petit à petit a donné des avantages à l'Église, et par là même, il a donné aux évêques une possibilité d'arbitrage. Donc les évêques ont rendu la justice, et Augustin a fait cela à peu près quotidiennement. Hein, Augustin, en gros, a rendu la justice et prêché le jour et écrit la nuit. C'est ce qui explique son œuvre immense. Alors, que nous nous rendions compte, c'est un penseur déterminant pour toute l'histoire, je dirais, universelle de la pensée. Et en plus, bon, c'est une œuvre de très grande ampleur, puisque c'est l'œuvre la plus longue, la plus riche, que nous ayons de toute la littérature grecque, de toute la littérature romaine. C'est 6 fois l'œuvre de Cicéron. Hein, c'est beaucoup plus que Platon, c'est beaucoup plus qu'Aristote, c'est beaucoup plus que Cicéron. Alors, que peut-il nous dire? Eh bien, je dirais d'abord que c'est parce que c'est un génie qu'il nous intéresse. Pourquoi? Parce que tout génie, toute pensée intelligente ou extraordinairement intelligente, d'une certaine façon, nous appartient. Tiens, c'est un bien commun, ça, la pensée. La pensée de tous ceux qui nous ont précédés dans l'humanité et qui ont eu assez d'intelligence pour faire des conquêtes intellectuelles, pour faire des conquêtes dans le domaine des idées, dans le domaine de la vérité. Et je dis cela avec force, parce que, justement, j'ai envie de dire, si je suis venu si loin, je peux vous dire que la vérité, au fond, je veux dire, c'est trop important. Ce serait trop stupide, ce serait trop grave de se déplacer pour dire des banalités. Or, il faut voir ce que peut nous apporter Augustin, c'est-à-dire tout simplement le fait qu'il dit des choses vraies, il a des choses à nous apprendre, et même sur chacune et chacun de nous. Je crois que c'est ce que vous allez voir dans les textes. Alors, vous avez
deux pages de texte, en principe, hein, je vous demande de les regarder parce que je voudrais vous donner les preuves de ce que j'avance. Je voudrais lire avec vous des textes d'Augustin, qui est à la fois, si vous voulez, un grand écrivain, un grand théologien et un grand philosophe. Augustin a parlé, oui, du bien commun. L'expression est très rare dans l'Antiquité. Dire bien commun, chez les penseurs de l'Antiquité, c'est rarissime. La première fois que ça arrive en latin, bonum commune, c'est chez Sénèque. Donc vous voyez, dans les années 50 de l'ère chrétienne. Alors Augustin, lui, utilise cette expression. J'ai essayé de la retrouver chez lui. Je n'y attendais pas à la retrouver chez lui telle qu'elle. Mais on la trouve, et vous allez voir dans un sens qui va encore nous surprendre peut-être. Mais je voudrais aussi essayer de vous montrer que ça a des rapports avec l'économie, que ça a des rapports avec la politique, et que donc ce ne sont pas des idées qui sont loin dans le passé, ce sont des idées qui peuvent nous intéresser aujourd'hui. Et nous devons prendre notre bien intellectuel partout où nous le trouvons. Je dirais, dans le sens universel de l'appartenance à l'humanité. Chacun, bien sûr, avec nos identités. Il y a toujours une manière particulière, il y a une manière française, il y a une manière ivoirienne d'aller à l'universel. Mais on va à l'universel et on va à des vérités qui sont intelligibles à tous. Alors je commence par un grand tas que j'ai appelé « Ce qu'un peuple aime ». Augustin s'est demandé comment définir un peuple. Vous voyez, ça c'est une question qui a déjà été posée d'une certaine façon à propos du contrat social, à propos de la République, à propos de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'un peuple? Qu'est-ce que c'est que être tout simplement un peuple? Et c'est le texte numéro 1 qui est extrait de la Cité de Dieu. Augustin donne une définition et il nous dit « Si maintenant on définit le peuple de cette manière » parce qu'il vient d'essayer une autre définition qu'il a critiquée. Et voici la définition qu'il donne. Le peuple est une multitude d'êtres raisonnables. C'est très important ça, raisonnable, parce que c'est la raison qui, chez Augustin, distingue l'être humain des animaux. Et attention, c'est la raison pour tout homme. C'est-à-dire que même l'homme le plus lent intellectuellement, ou même l'homme le plus corrompu moralement, il est quand même participant de la raison et de la nature humaine. La nature humaine, ça ne se perd pas. C'est ineffaçable. Ça, c'est un problème important parce que nous avons vu ce que c'est dans l'histoire que d'exclure de l'humanité telle ou telle population, d'exclure de l'humanité tel ou tel groupe. Or, pour Augustin, on ne sort pas de l'humanité. Et personne ne peut juger de l'humanité de quelqu'un d'autre. Alors, il dit une multitude d'êtres raisonnables associés par la participation dans la concorde, c'est-à-dire en s'entendant bien, dans la participation dans la concorde au bien qu'ils aiment. Vous voyez, à quelque chose qu'ils aiment, dont ils ont envie, dont ils ont, on a parlé de ces groupes volontaires, dont ils ont la volonté. Hein, car l'amour, chez Augustin, est très proche de la volonté. Ce n'est pas un simple sentiment, ce n'est pas une simple émotion, c'est une certaine manière de vivre, un certain choix qu'on fait dans la vie. Alors, dit Augustin, pour savoir ce qu'est un peuple, il faut considérer ce qu'est chaque peuple, il faut considérer l'objet de son amour. Vous voyez, là, il y a une question à nous poser. En tant que peuple, en tant que pays, en tant que nation, au fond, qu'est-ce que nous aimons? Qu'est-ce qui est important pour nous? Je pose la question ici, en terre de Côte d'Ivoire, mais je me pose la question pour la France aussi. Je crois que la question est très obscure actuellement en France. Et elle est un réel problème. Alors, Augustin dit, quel que soit d'ailleurs l'objet qu'il aime, ce peuple, s'il est une réunion, non d'animaux, mais d'une multitude de créatures raisonnables assemblées en société par la participation dans la concorde au bien qu'ils aiment, ils méritent le nom de peuple. Autrement dit, même un mauvais peuple, du moment qu'il est rassemblé, il s'est peut-être trompé sur ce qu'il aime, mais ça, tant pis, c'est quand même un peuple. De même qu'un homme qui se trompe est quand même un homme. De même qu'un homme qui est perverti par toutes ses fautes morales est quand même un être humain. Vous voyez, ça c'est très important chez Augustin, le sens de la nature humaine. Alors Augustin, bien sûr, pense que tous les peuples ne se valent peut-être pas, non pas pour des raisons de culture, mais pour des raisons d'amour, des raisons de choix. Et ce peuple est d'autant meilleur qu'il s'entend sur des choses meilleures, d'autant plus blâmable qu'il est d'accord sur des choses blâmables. Un peuple, au fond, peut aimer de mauvaises choses. Oui, ce n'est pas une fatalité, là encore, c'est ça qui est intéressant, c'est un choix. Et je dirais que ça rejoint l'idée romaine de la cité. Parce que la cité, c'est de vouloir vivre ensemble. Pensez à une chose, pensez à la fondation de Rome. Dans la fondation de Rome, c'est légendaire, mais c'est révélateur. Quand Romulus fonde Rome,
Il accueille des gens qui sont sans feu ni lieu, qui viennent de nulle part, qui ont été chassés, qui sont des exilés, qui sont des marginaux, qui sont des hors-la-loi. Il les accueille. Il les accueille avec une simple idée, la volonté de vivre ensemble et de fonder une cité. Vous voyez, donc on n'est pas dans le domaine de la race, on n'est pas dans le domaine de l'ethnie, on n'est pas dans le domaine du droit du sang, on est dans le domaine de la volonté. Autrement dit, de ce qui est rationnel dans l'être humain. On choisit de vivre ensemble. Et donc une cité, nous dit Augustin, un peuple, peut choisir des choses plus ou moins bonnes. Et il y a une liberté là qui est engagée. Alors, le deuxième texte que je voudrais vous montrer, c'est un texte qui est paradoxal. Si vous voulez, c'est au fond la démonstration négative. Je voudrais vous donner l'exemple d'un peuple qui serait sans bien commun. C'est-à-dire que ce peuple, qu'imagine un instant Augustin, au livre 2 de la Cité de Dieu, hein, c'est mon texte numéro 2, ce peuple n'a au fond pas de bien commun, il n'a que des biens individuels. Alors je vais vous dire pourquoi je vous lis ce texte que j'ai pris la peine de retraduire. C'est parce que ce texte de la Cité de Dieu, je l'ai relu à l'été 2013. Or ce texte probablement a été écrit en 413. Vous voyez ? Et à l'été 2013, quand j'ai lu ce texte, avec le souvenir de tous les combats que j'avais menés dans l'année 2013 pour défendre une certaine idée de la République, de la famille, des droits de l'enfant, de ce que c'est que le mariage, de ce que c'est que la parité homme-femme, je me suis dit, mais ce texte-là, on croirait qu'il a été écrit en 2013. J'ai d'ailleurs tout de suite envoyé un certain nombre d'amis pour leur dire, écoutez, c'est quand même étonnant. Alors, que fait Augustin ? Il imagine une cité, un peuple qui se moque complètement de la morale. Et il fait parler ce peuple, et c'est pour ça que vous avez des guillemets ici. Alors ce peuple d'abord dit, ce qui nous importe, c'est que chacun augmente toujours ses richesses. Hein, chacun pour soi, course à la richesse si vous voulez. Hein. Que cela lui permette de faire des distributions quotidiennes, et qu'ainsi chaque puissance se soumette les plus faibles. Hein. L'idée qu'on peut lâcher quelques sous, et comme ça s'approprier les pauvres, avoir une masse de manœuvre. C'est précisé ensuite que les pauvres s'abaissent devant les riches afin d'être rassasiés et de profiter grâce à leur protection d'une tranquille inaction. Allusion à ces Romains qui vivent au crochet des riches et qui n'agissent plus, qui ne travaillent plus et qui au fond ne sont plus des citoyens. Que les riches abusent des pauvres pour s'en faire des clientèles et les mettre au service de leur luxe. Le clientélisme ici critiqué par un auteur de l'Antiquité qui voyait cette réalité tous les jours. Hein ? N'oubliez pas qu'à Rome, des aristocrates regardaient combien il y avait de gens qui faisaient la queue devant leur maison pour venir demander l'aide alimentaire du jour en tant que client. Et éventuellement, leur voisin, lui-même aristocrate, était jaloux de voir que la file d'attente était un petit peu plus longue chez tel de leurs amis que chez eux. Et ça, c'est ce qu'Augustin dénonce. Deuxième thème, que les peuples n'applaudissent pas ceux qui leur proposent des mesures utiles, mais ceux qui leur procurent des plaisirs. Ça, quand j'ai lu ça, puis c'est 2013. Que rien de pénible ne soit ordonné, non, c'est vrai, ce serait fatigant. Que rien d'immoral ne soit interdit. J'ai traduit littéralement, hein, je n'ai pas forcé le texte. Et puis, le, disons entre guillemets, matérialisme de cette société. Que les lois interdisent ce qui nuit à la propriété d'autrui plutôt qu'à sa vie. Donc défendre les biens matériels à la limite plus que la vie humaine. Que chacun fasse de ses biens avec ses proches ou ceux qui le voudront ce qui lui plaira. C'est la notion de certains juristes actuellement de consentement mutuel. Du moment qu'il y a consentement mutuel entre individus majeurs, on fait au fond ce qu'on veut. Et ça peut donner des choses assez extrêmes. On l'a vu en Europe ces dernières années. Et puis, il y a dans ce texte, il y a l'intolérance de ce type de société portée à son plaisir face à ceux ou celles qui diraient « Ah mais c'est peut-être pas tout à fait comme ça ». C'est le dernier paragraphe. « Celui à qui ce bonheur-là déplaît est un ennemi public. S'il tente de le changer ou de l'abolir, que la foule libre, bien sûr, lui ôte la parole, premier temps, l'expulse de son territoire, on va un peu plus loin, le chasse du monde des vivants. » Encore plus. Alors, vous voyez ce que ça veut dire. Au fond, ce qu'Augustin veut dire, c'est qu'il faut bien qu'il y ait un bien moral objectif, universel, hein, que tous les êtres humains peuvent partager,
pour des raisons ou d'autres, avec des façons ou d'autres, mais qui permet à la société en quelque sorte de tenir. Alors, je reviens à quelque chose qui est plus individuel, parce que je vais m'attacher au passage où Augustin parle de commun et de bien commun. Vous voyez, jusqu'à présent, il n'en parlait pas, c'était sous-entendu. Alors, j'en viens à quelque chose qui est très individuel, et du coup, je vais revenir à du politico-social après. Alors, ce qui est individuel, c'est notamment cette recherche de la vérité qu'il mène dans un de ses livres de jeunesse, mais qu'il a revu un petit peu après, qui s'appelle « Le libre-arbitre ». Augustin se demande ce qui est commun et ce qui est privé. Alors, ce n'est pas une définition économique, mais c'est une définition plutôt dans le domaine de la théorie de la connaissance, me semble-t-il. Texte 3. « Il faut donc entendre par propre et pour ainsi dire privé. » Pour ainsi dire privé, ça veut dire que là, c'est une métaphore juridique. Privé, là, c'est du vocabulaire de droit romain. Donc, pour ainsi dire privé, ce que chacun de nous est pour lui-même, ce qu'il est seul à percevoir en lui-même comme appartenant en propre à sa nature. C'est-à-dire, chacun, au fond, se connaît. Chacun de nous se connaît d'une manière originale et qui est propre à elle ou à lui. En revanche, ce qui est commun et pour ainsi dire public, c'est ce qui est perçu par tous ceux qui le perçoivent sans le corrompre ni le modifier. Nous voyons tous qu'il fait beau. Cette perception nous est commune. Nous pouvons tous nous en apercevoir. Alors, en allant plus loin, Augustin se demande ce qui nous est commun à part des perceptions de tel ou tel objet, de tel ou tel fait. Et il pense, bien sûr, alors, il est dans la lignée de Platon, hein, et évidemment, les philosophes le repèrent tout de suite, et le savent très bien, une chose qui est commune, c'est le nombre. Les nombres. 7 et 3 font toujours 10. Pour tous les peuples, on peut compter. Les mathématiques sont une extraordinaire voie vers l'universel, vers ce qui est commun. Alors, vous voyez, parmi les biens communs, les vérités mathématiques. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est intéressant parce que ça nous donne un modèle de ce qui nous rassemble. C'est-à-dire que notre préoccupation n'est pas uniquement politique et économique, il y a aussi des choses qui nous rassemblent, qui sont du domaine purement intellectuel, mais qui nous donnent le modèle de ce que c'est qu'être unis et d'être d'accord. Vous voyez ? Donc, au fond, ça peut avoir une application sociale. Alors, le texte 4, c'est justement sur les nombres. Cette vérité incorruptible du nombre, j'ai dit qu'elle est commune à moi et à quiconque raisonne. Hein? Tous ceux qui raisonnent, qui font usage de leur raison, et la raison, c'est la caractéristique de l'être humain. Hein? Ce n'est pas une perspective élitiste. Hein? Il n'y a pas des gens qui ont plus la raison que d'autres. C'est accessible à tout le monde. Et Augustin dit même, nous posons ces jugements selon ces règles intérieures de la vérité que nous voyons en commun. Alors, vous remarquez qu'il n'est pas du tout dans une perspective élitiste. C'est très important chez Augustin. Hein, il a une perspective universelle. Et vous voyez, il y a une espèce d'ascension, il y a une espèce de montée chez lui dans ce texte. Augustin se dit, tiens, ces vérités mathématiques, est-ce qu'au-dessus d'elles, il peut y avoir encore quelque chose? Et comme ça, en montant, il en vient à une vérité qui pour lui est le Christ. Le Christ en tant qu'il est Dieu, autrement dit, il est la vérité que l'homme peut trouver. Que l'homme peut trouver, notamment en cherchant en lui-même. Vous avez là quelque chose qui est très important dans la démarche intérieure d'Augustin. Alors je vais vous lire les deux textes, peut-être 6 et 7, et puis je vais essayer de les commenter. Augustin est arrivé, c'est un dialogue, le libre-arbitre, si vous voulez. Alors il est arrivé à un moment où il estime avoir découvert la vérité avec un grand V. Et pourquoi est-ce important? Parce que la vérité, c'est ce qui rend heureux. Et que, pour Augustin, le grand problème de l'homme, c'est peut-être notre problème à tous, c'est de savoir si nous arrivons à être heureux. Vous voyez, ce sont des grandes questions. Hein. Qu'est-ce que le bonheur? Ça fait des années en France qu'on nous bassine avec le plaisir. Il n'y a pas un seul homme politique qui pose la question du bonheur. Vous voyez, il y a une différence là. Alors, regardez le texte 6. Il dit à son interlocuteur dans le dialogue, « Voici pour toi la vérité même. Prends-la dans tes bras, si tu peux, et réjouis-toi d'elle. » Alors, il cite un psaume, « Délecte-toi dans le Seigneur, et il exaucera les demandes de ton cœur. Car que demandes-tu davantage que d'être heureux ?» Hein, ça, c'est la grande question qu'Augustin pose à lui-même et à tout être humain. Et il ajoute, « Et qu'y a-t-il de plus heureux que celui qui se réjouit de la vérité inébranlable et immuable, plus excellente que tout ?» Donc, l'idée, si vous voulez, c'est quand on a trouvé la vérité avec un grand V, on a le bonheur. Et on a une très grande tranquillité, vous allez le voir par la suite. Pourquoi?
parce que la vérité, c'est ce que personne ne peut nous enlever. Contrairement à tous les biens matériels, toutes les formes de confort que nous pouvons avoir et que quelqu'un, un voleur, un mauvais voisin, un mauvais gouvernement, peut nous enlever à un moment et à un autre. Alors, Augustin en arrive à cette notion qui est très philosophique dans l'Antiquité de bien suprême. Et il dit, puisque c'est dans la vérité que l'on connaît et que l'on tient le bien suprême, regardons et tenons en elle le bien suprême et réjouissons-nous-en. Oui, il est heureux celui qui se réjouit du bien suprême. Alors, ici, n'oubliez pas l'importance de l'intériorité pour Augustin. Hein? C'est, si vous voulez, l'idée, c'est que chacun trouve en lui-même la vérité, un idéal de vérité ou Dieu. Pensez aussi que Augustin dit dans ses fameuses confessions, s'adressant à Dieu, il dit « Tu es plus intérieur à moi-même que mon intimité » et tu es plus haut que ce qu'il y a de plus haut en moi, que mon sommet. Vous voyez, il y a l'idée d'une proximité avec Dieu. Ça, c'est un texte des confessions d'Augustin auquel mes amis musulmans réagissent particulièrement. Parce que aussitôt, je cite un passage du Coran où il est dit « Ton Dieu t'est plus proche que ta veine jugulaire ». Et ils font tous ce geste-là. Certains le citent en arabe en faisant ce geste-là. Et vous voyez, c'est l'idée. Hein, l'idée que le croyant, et vous voyez là, il y a même une proximité entre deux grandes religions. C'est très très intéressant de voir ces proximités, hein, de voir ces possibilités de partager. Et l'idée que avoir un Dieu, c'est être proche, c'est le sentir proche. Donc c'est pas être tout seul et c'est une source de bonheur. Alors, voyez les conséquences que ça peut avoir. Parce que l'être humain tel qu'il est, comme nous disent quelquefois les économistes, je pense à des économistes qui ont été cités, c'est très intéressant parce qu'on est toujours amené à réfléchir sur les intérêts. Et puis, si l'être humain aime encore autre chose que ses intérêts matériels, est-ce que ça ne dégage pas d'autres possibilités d'action dans le quotidien, compris dans l'économie? Alors, à partir de là, une idée très importante chez Augustin, et c'est là qu'on voit que c'est un bien commun, c'est que la vérité est commune à tous. Vous allez voir, avec le parallèle avec l'économie, c'est même assez parlant. La vérité est commune à tous. Je vous donne d'abord le texte du livre. Personne n'est en sécurité parmi les biens qu'il peut perdre contre son gré. Tous les biens matériels, bon, je l'ai déjà dit, hein, sont toujours, enfin, très souvent provisoires. Mais la vérité et la sagesse, avec un grand S, parce que là encore c'est une manière de parler du Christ, personne ne les perd contre son gré. Car on ne peut pas en être séparé par un espace, c'est pas une question matérielle, c'est pas une question de lieu, c'est pas une question spatiale. Ce qu'on appelle la séparation d'avec la vérité et la sagesse, c'est la volonté mauvaise par laquelle on aime ce qui est inférieur. Autrement dit, si je perds, moi, la vérité, c'est parce que je ne la veux pas vraiment. Mais si je la veux, personne ne peut m'empêcher de la comprendre. Et effectivement, il ne peut rien m'arriver parce que personne, c'est la dernière phrase du paragraphe, personne ne veut une chose en ne la voulant pas. Je ne peux pas perdre la vérité alors que je ne veux pas la perdre. En réalité, si je la perds, c'est parce que j'ai envie de la perdre. Que par exemple, Augustin donne ce genre d'exemple. Un voisin me demande de faire un faux témoignage en sa faveur contre un autre voisin. Augustin a été confronté à ce genre de problème, quotidiennement. Des gens qui viennent le voir et qui lui posent la question, qu'est-ce que je fais? Et Augustin dit, mais tu restes fidèle à la vérité. Simplement, si tu préfères donner un faux témoignage parce que ton voisin vient te faire un beau cadeau, c'est toi qui as préféré le cadeau à la vérité. Donc tu es libre. Et tu es libre et tu dois savoir ce que tu perds. Alors, regardez ce qui est dit dans le deuxième paragraphe. Nous avons donc de quoi nous réjouir. C'est pas moi qui l'invente, hein. J'ai juste mis en italique. Nous réjouir tous à égalité et en commun. Pas d'angoisse, pas de perte dans la vérité. Pas d'angoisse, la peur de perdre. Pas de perte. C'est-à-dire que si je découvre une vérité et que mon voisin la découvre aussi, ma vérité est tout aussi vraie, j'ai rien perdu. C'est pas comme les poissons de la rivière, je peux pas surexploiter au fond. Je peux pas surexploiter la vérité. Vous voyez? Parce que la vérité est quelque chose qui se partage tant qu'on veut. C'est ce qu'explique Augustin. Tous ceux qui l'aiment, hein, tous ceux qui aiment la vérité, elle les accueille sans qu'il y ait entre eux la moindre jalousie. Mais c'est, l'idée c'est qu'on peut aller dans les bras de la vérité, il y a de la place pour tout le monde. Elle est commune à tous et pure pour chacun.
Et vous voyez, Augustin fait même parler quelqu'un d'imaginaire qui dirait « Retire-toi pour que je vienne moi aussi. Enlève tes bras, toi qui es en train de serrer la vérité dans tes bras. » Vous avez là une image très concrète, Augustin aime bien ces images. « Enlève tes bras pour que moi aussi je serre la vérité contre moi. » Tous s'attachent à elle, tous saisissent la même chose. Vous voyez, là il y a quelque chose de très intéressant parce qu'il y a un modèle, il y a un modèle universel. Il y a l'idée qu'il y a un bien extraordinaire qui rend les hommes heureux, que tous les hommes peuvent avoir, et qu'il y en aura toujours assez pour tout le monde. Il n'y a pas de diminution. Vous voyez, alors c'est très intéressant parce que ça mène du coup à être un peu exigeant et puis à réfléchir sur l'égalité, à réfléchir sur la justice. Vous voyez, à partir d'une idée qui est une idée de l'homme et de l'accès de l'esprit humain à la vérité. Alors, Augustin conclut, par ta communion à la vérité, et communion c'est fait de participer à quelque chose qui est commun. Hein, c'est d'avoir en commun, d'avoir sa part. Par ta communion à la vérité, tu ne transformes rien en ton bien privé. Quand tu aimes la vérité, tu ne prives personne de la vérité. Mais ce que tu prends d'elle, cela reste intact pour moi. Autrement dit, il y a toujours autant de poissons, si vous voulez. Ce qui t'inspire, je n'attends pas que tu me le rendes pour en être inspiré à mon tour. Jamais rien de la vérité ne devient propre à quelqu'un ou à plusieurs, mais elle est tout entière, commune, à tous, en même temps. La beauté. Quand je contemple une œuvre d'art, des millions de gens peuvent aimer cette œuvre d'art, ça ne la rend pas moins belle, au contraire. Personne ne me prend la contemplation que j'ai d'une œuvre d'art. Personne ne peut m'empêcher d'admirer ce que j'admire. Et ceux qui admirent avec moi, au contraire, ils renforcent mon admiration. Nous avons tous fait cette expérience, de vouloir partager l'amour d'un tableau, d'une sculpture, d'une musique. Autrement dit, il y a des choses qui se partagent et qui ne s'épuisent pas, au contraire. Alors, cette idée-là revient dans le fameux ouvrage d'Augustin sur la Trinité que je vous ai cité au texte 9. C'est la même idée, juste pour vous montrer qu'Augustin y tient beaucoup, et qui la répète volontiers, les biens intérieurs et supérieurs, ce qu'on a en soi, les biens intérieurs et supérieurs, ceux qui les aiment, les possèdent dans un chaste embrassement, toujours cette idée d'embrasser, non pas en privé, mais en commun, sans angoisse, on retrouve le métal, sans angoisse parce qu'ils n'ont pas peur de perdre ce qu'ils ont découvert, et ni jalousie parce que personne ne peut le leur prendre, au contraire, la vérité, ça se partage. Victor Hugo cite une histoire d'une aristocrate qui, voyant un tableau, est tellement en admiration devant cette beauté qu'elle dit « Je voudrais qu'il y ait là des pauvres pour que je leur donne tout ce que j'ai. » Parce qu'elle a le besoin de partager face à la beauté. Et Augustin le voit aussi face à la vérité. Et Augustin dit de façon très, très nette, très forte, « La vérité est commune à tous. Elle n'est ni à moi, ni à toi. » Elle n'est pas à celui-ci ou à celui-là, elle est commune à tous. Vous voyez qu'il y a là, c'est important pour nous tous, mais vraiment tous, c'est important pour nous, c'est une leçon d'universalité. Hein, avoir le sens de l'universel. Ça ne nous prive pas de nos identités, ça ne nous prive pas de nos fidélités, ça ne nous prive pas de nos familles, de nos villages, de nos paysages aimés, mais ça nous donne une autre dimension, hein, qui est cette dimension humaine qu'on est souvent en train de perdre. F, grand F, la vérité est offerte au monde entier. Hein, non seulement je peux la partager, mais en plus, il y a l'idée, ça c'est une idée typique d'un évêque chrétien, c'est l'idée que la vérité est proclamée pour tous. C'est notre texte numéro 11, « Tous ceux du monde entier qui se tournent vers elle, c'est-à-dire la vérité, et qui l'aiment, la vérité est très proche de tous, éternelle pour eux tous. » Alors, une série de paradoxes, « Elle n'est en aucun lieu, mais elle ne manque nulle part. » Elle avertit au dehors, il y a des gens qui proclament la vérité. Et elle enseigne au-dedans, à l'intérieur. C'est l'idée que tout homme est inspiré par Dieu. Ça, c'est très important chez Augustin. C'est une chose que beaucoup de chrétiens oublient. Ils s'imaginent qu'au fond, ils ont Dieu au-dessus d'eux, et puis en face d'eux, à la rigueur, ils vont supporter leurs semblables. Alors qu'Augustin dit, Dieu est dans ton semblable. Il est à l'intérieur de l'être humain qui est en face de toi. Il n'est pas au-dessus, il est à l'intérieur. Donc, posez-vous cette question si vous êtes croyant. De vous dire, il y a une présence divine dans celui, celle qui est assis en face de moi au restaurant ou qui est dans l'autobus avec moi, etc. Bon, vous voyez, il y a des choses là qui sont, je crois, très fortes. Alors, elle rend meilleure la vérité, ceux qui la voient, et personne ne la rend moins bonne.
Hein, personne ne la diminue, personne ne la surexploite, si vous voulez, je me permets la métaphore économique pour essayer de... Vous voyez, ça, c'est la tentative pour montrer que mon discours n'est pas complètement décalé de ce que nous a apporté quelqu'un qui parle de l'actualité, qui parle du monde d'aujourd'hui. Vous voyez, je me raccroche aux collègues, hein, c'est une technique fréquente. Elle rend meilleure tous ceux qui la voient et personne ne la rend moins bonne, personne ne la juge, et sans elle, personne ne juge bien. Ce n'est pas une idée qui lui est venue comme ça. À coup, c'est une idée à laquelle il tient. C'est pas mal de savoir à quelle idée un auteur tient. Et dans les confessions, dans ces fameuses confessions que vous avez peut-être lues, ou que vous lirez, ou que vous feuilletterez, peu importe, parce que même quelques mots peuvent suffire, une page qui vous parle, hein, c'est ça le plus important, quelque chose qui se passe entre vous et un texte, entre vous et un livre, ou une partie d'un livre, Augustin dit, en s'adressant à Dieu, « Ta vérité n'est ni à moi, ni à celui-ci ou celui-là, mais à nous tous, que tu appelles publiquement, hein, comme un crieur public, Dieu est comme un crieur public, à communier à celle-ci, c'est-à-dire à avoir en commun. » Alors, à partir de là, j'en viens à l'idée de communion. Comment les êtres humains peuvent-ils être unis? Alors, le problème se pose, pour Augustin, à l'échelon d'une famille, à l'échelon d'un village et d'un voisinage, à l'échelon d'une cité, et à l'échelon aussi d'un empire ou du monde. Alors, je vous ai mis cette phrase que j'aime beaucoup de la Cité de Dieu, c'est le texte numéro 13. La société des êtres humains. Hein, il y a une société des êtres humains pour Augustin. La société des êtres humains est répandue partout sur la Terre, dans des lieux aussi variés qu'on voudra. Et lui, il n'est pas allé en Côte d'Ivoire. Il n'avait pas tant voyagé que ça. Mais elle est liée par la communion d'une seule et même nature. Où que soient les hommes, ils ont une seule et même nature. Alors, permettez-moi de souligner que c'est quelque chose ici d'important. Pourquoi? Parce que s'il s'agit de s'organiser pour gérer les océans, ou pour gérer les forêts, enfin, des choses auxquelles je suis très très sensible, j'ai été écologiste dans ma toute première jeunesse, alors que la plupart des Français ne savaient pas ce que c'était que le mot écologie à l'époque. Pour dire que je suis sensible à ces questions de la nature, j'ai voulu autrefois être naturaliste, avant de devenir historien plus tard. Eh bien, Augustin, si vous voulez, il nous donne une idée qui aide à comprendre comment nous pouvons et pourquoi nous pouvons gérer la planète. C'est cette idée de nature humaine. C'est cette idée de former un ensemble. Alors, faites très attention ici. Il y a une conquête, dans l'histoire de la pensée, il y a une conquête qui vient d'Augustin. Beaucoup de philosophes commentant Augustin, ont remarqué que c'est Augustin qui a l'idée, pour la première fois dans l'histoire, de manière aussi claire, de l'unité de l'humanité. L'unité de l'humanité. Je vais vous donner un exemple très précis dans l'histoire des mots, dans l'histoire du vocabulaire. En latin, humanitas, qui a donné notre mot humanité, ça veut dire le fait d'être humain, ou éventuellement d'être cultivé. Vous voyez, comme quand on dit « les humanités » pour les études de l'être et de sciences humaines, disons. Hein. Mais le mot « humanitas » commence à vouloir dire l'ensemble des hommes à partir de saint Augustin. Pour un latin païen, « humanitas », ça ne veut pas dire que l'humanité est un ensemble. C'est Augustin qui pense l'humanité comme un tout. Vous voyez? Et ça, vous ne me direz pas que ce n'est pas important. Dans tous les rapports internationaux, dans tout ce qui est au fond de notre vie, à tous les échelons. Alors, regardez ce texte, la société humaine est répandue sur la Terre, hein, une seule et même nature, si chacun suit ses intérêts et ses désirs. Si chacun recherche ce qui ne suffit ni à personne ni à tous, hein, les biens matériels ne suffisent ni à personne, parce que si quelqu'un commence à l'avoir, il en veut toujours plus. Et ça ne suffit pas à tous, il y a toujours quelqu'un qui n'est pas content. Parce que ce n'est pas cela même, et quand Augustin dit cela même, il faut mettre une majuscule, c'est une manière de dire Dieu. C'est une manière de dire, il n'y a que Dieu qui satisfait vraiment. Donc, les hommes ne seront jamais contents. Alors, la société humaine se divise contre elle-même, et les plus forts oppriment les autres. Et du coup, vous voyez, l'intérêt pour Augustin d'un point de vue de croyant, ça veut dire, celui qui croit, s'il croit vraiment au fond, il trouve dans son Dieu son bonheur. S'il est heureux, il va moins avoir envie de prendre le poisson, la forêt, le pré, la chèvre du voisin. Il y a le bien commun qui rassemble les humains. Et pour Augustin, le bien commun qui rassemble vraiment les humains, c'est Dieu.
Alors ça nous donne les textes 14 et 15 que je lis et que je commente. D'abord, c'est une lettre d'Augustin. Le mieux pour créer et protéger une cité. Voyez, est-ce qu'on veut créer une cité? Est-ce qu'on veut créer une république? Voyez, sommes-nous une république? C'est une question que je me suis posée là, dans un article que j'avais écrit dans l'été 2014. Sommes-nous encore une république? Parce que chacun tire de son côté. Hein. C'est, la France, c'est le pays du moi-je. Hein. Moi-je, j'ai mes droits. J'ai mes droits. Alors, 66 millions de personnes qui disent « j'ai mes droits ». Avec ça, on va loin. Hein. Alors, Augustin dit, pour construire une cité, le mieux, c'est la foi. Ah, le mieux, il dit, ce serait d'avoir la même foi. Bon, pour lui, c'est l'idéal. Une solide concorde, au moins la concorde des Romains. À défaut d'avoir la foi chrétienne, au moins la concorde des Romains. C'est-à-dire l'idée de bien s'entendre ensemble, qui est une idée romaine très importante, alors qu'ils ont connu des guerres civiles. Et que justement, ils ont essayé de les surmonter, par ce qui s'appelle la volonté de vivre ensemble. Et du coup, ça, c'est un choix. Alors, vous voyez que je tiens un discours de liberté, hein, et que je suis absolument aux antipodes de tout fatalisme, hein, et qu'Augustin n'est pas un penseur fataliste, et que c'est un penseur optimiste. Alors, quand on est d'accord dans la foi, on aime le bien commun. C'est le bien commun, hein, bonum commune. Le bien suprême et le plus vrai, c'est-à-dire Dieu. Et en lui, les hommes s'aiment les uns les autres avec la plus grande sincérité, car ils s'aiment à cause de celui à qui ils ne peuvent pas cacher dans quel esprit ils aiment. Vous voyez, l'idée, c'est que Dieu, c'est mieux que la loi. Parce que la loi, le représentant de la justice ne le voit pas nécessairement. Mais l'idée, c'est que celui qui dit qu'il aime Dieu, ben, il ne peut pas mentir à Dieu en disant « oui, j'aime bien Dieu, mais pff, mon frère a une sale gueule. » Vous voyez ? Bon, là, il y a l'idée, Dieu voit dans les cœurs et il faut aimer. Du coup, Dieu rassemble les hommes. Hein, c'est, au fond, c'est ça l'idée, vous voyez ? Pour Augustin, la foi est une force sociale. Ce n'est pas une expérience seulement individuelle. On a vu que c'était très individuel précédemment. Et en même temps, ça a une dimension sociale. Pourquoi ? Parce qu'au fond, le bien commun, c'est une volonté commune. Si on aime quelqu'un en commun, ben imaginez que vous ayez bien tous en famille, quelqu'un de votre famille, ça vous rassemble. Ça aide. C'est pas parfait, mais ça aide. Texte 15, on a maintenant l'image d'un peuple chrétien qui préfère Dieu à tout, et du coup, il est plus heureux. Alors Augustin dit, c'est dans un sermon au peuple, « Heureux est donc ce peuple qui, au lieu de ses fils, au lieu de ses filles bien parées, au lieu du bétail gras, au lieu de la fécondité des brebis, au lieu de l'abondance des greniers, vous voyez, on voit toute la production agricole, bien sûr, c'est normal, le monde romain est essentiellement rural. Hein. Au lieu du bon état des édifices, là c'est la partie plutôt urbaine, au lieu de la paix avec ses procès et ses litiges, avec ces procès et ces litiges, oui, qui sont importants parce qu'ils sont dans le cadre du droit. Les citoyens s'engueulent, mais devant des tribunaux. Autrement dit, on n'est pas dans la guerre civile. La violence est canalisée grâce au droit. Et je le dis en hommage aux juristes qui sont présents. Au lieu de toute cette prospérité, ce peuple est heureux parce qu'il ne veut pas posséder son Dieu. Au lieu de toute chose, il veut avoir celui qui a créé toute chose. Vous voyez, ça c'est l'idéal d'Augustin. Alors, c'était l'idéal. Mais posons-nous la question quand même. Est-ce que, justement, il n'y a pas un apport particulier des religions au dépassement de soi-même par chacun pour aller vers l'autre, hein ? Ce n'est pas forcément une religion ou une autre. Mais voyez, là, il y a des apports. Au fond, il y a un idéal. Ce qui nous manque en France actuellement, c'est un idéal. On a encore quelques idéaux sur certains points. Des choses qui résistent. Oui, tant mieux. Si vous voulez, l'idée c'est que si on comprend Dieu comme bien commun, on relativise l'argent. Si on relativise l'argent, on vit mieux avec les autres. Alors, je vous donne juste cette phrase, mais il y aurait des tas de textes d'Augustin. La justice, personne ne la possède mal. Celui qui ne l'aime pas, ne la possède pas. Si on n'aime pas la justice, on n'est pas juste. Donc, si on aime la justice, on est juste, il n'y a pas de problème, c'est clair. L'argent, en revanche, les hommes mauvais le possèdent mal. Alors, c'est une vieille idée philosophique des Grecs et des Romains. Celui qui aime son argent, il croit posséder son argent, en réalité, c'est son argent qui le possède. Vous voyez, vous avez une image contemporaine de ça, je ne sais pas si vous connaissez cette magnifique bande dessinée originaire d'Argentine, les histoires de la petite fille Mafalda. Et Mafalda regarde son père en train de fumer, puis il a tiré sur la cigarette comme un malade, vous voyez, de façon intense, on s'est absorbé dans sa fumée, et puis elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais, papa ?» Alors lui, un peu surpris, lui répond « Ben, je fume une cigarette. » Et elle lui dit « Ah,
j'avais l'impression que c'était la cigarette qui te fumait. Et vous voyez, ça c'est la même idée. Ceux qui aiment l'argent, ils croient qu'ils ont l'argent, en fait c'est l'argent qui les a. Alors Augustin dit, les bons possèdent d'autant mieux les richesses qu'ils les aiment moins. Alors voyez, la règle que nous donne Augustin est en plus facile à retenir. Posséder la justice, c'est l'aimer. Plus on aime la justice, plus on la possède. Plus on aime l'argent, moins on le possède. Vous voyez, c'est exact. L'argent et la justice, au fond, c'est l'inverse, d'une certaine manière. Alors, entendons-nous, ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça peut un petit peu y aider. Vous voyez, il y a une critique de la richesse qui n'est pas le dynamitage de l'idée de propriété privée, qui est simplement dans l'idée que la richesse, c'est quelque chose qu'on utilise, mais qu'il ne faut pas aimer. Alors que Dieu, on ne l'utilise pas, mais on l'aime. Alors, je termine là-dessus, vous avez cette différence très importante chez Augustin, entre le fait d'utiliser et le fait de jouir, ou je traduis volontiers dans ces textes, se réjouir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se réjouir de quelque chose ou de quelqu'un? Ça veut dire s'attacher à une chose par amour pour la chose elle-même. Exemple, on s'attache à Dieu pour Dieu lui-même. Celui qui aime vraiment Dieu, ce n'est pas celui qui attend de Dieu que celui-ci lui donne de la pluie pour la récolte. Même si beaucoup de chrétiens de l'époque d'Augustin attendent ça. Augustin leur dit, attention, vous n'aimez pas Dieu, là, vous aimez votre récolte et vous demandez à Dieu de vous aider. Mais il y a l'idée que se réjouir d'eux, c'est aimer une chose pour elle-même. Un peu, si vous voulez, comme en étant parent, on peut regarder son enfant sans rien lui demander, mais simplement être heureux de le voir et de se rendre compte qu'il existe et que c'est bon de le regarder. Simplement de regarder. Vous voyez, de regarder l'autre, simplement, de se dire, tiens, on a la chance d'exister, tiens, tu es là, ils sont là, voilà, des choses comme cela. Et puis utiliser cette idée qu'il y a toujours un autre but. Alors, l'argent a toujours un autre but que lui-même. Et vous voyez, le problème, c'est qu'au fond, le riche est très malheureux, d'une certaine façon. Parce que toute cette démarche de vérité que nous avons faite, il ne l'a pas. Et qu'à la limite, il vaut peut-être la peine d'enseigner cela aux gens qui ont de l'argent, et que les premiers bénéficiaires seraient eux, et en plus la société serait bénéficiaire. Alors, je termine sur cette notion d'humanité. Ne l'oublions pas, avec Augustin. Pourquoi? Parce que c'est en train de tanguer en Occident. Je vais vous donner un exemple et je terminerai là-dessus sur cette petite histoire. Un mardi de 2011, j'allais faire cours à la Sorbonne. Tout autour de la Sorbonne, il y a un froid terrible, tout autour de la Sorbonne, sur les bouches de chaleur qui sortent de la Sorbonne, ici ou là, que certains d'entre vous connaissent, il y avait des gens qui étaient dans la rue et qui dormaient, ou qui essayaient de dormir sur les bouches de chaleur. Et il faisait très froid. Et je suis allé à mon cours, et sur le chemin, il y avait des librairies du quartier latin, il y avait des librairies de la place de la Sorbonne, avec des livres multipliés, accumulés, disant « Les droits des animaux, et sommes-nous vraiment supérieurs aux animaux, défendons-les, la cause animale, etc. » Alors, j'ai fait mon cours, où il était question justement de la dignité humaine à un moment chez Saint-Augustin. J'ai terminé mon cours en disant, vous allez, en sortant de la Sorbonne, aller regarder les vitrines des librairies. Et puis vous allez aller regarder les gens qui sont dans le froid sur les bouches de chaleur. Et vous allez réfléchir, vous allez vous dire, est-ce que j'ai le droit de me dire, après tout, nous sommes peut-être des animaux, nous sommes peut-être des singes. Hein? Et est-ce qu'après j'ai le droit d'aller dire à celui qui est sur sa bouche de chaleur, et qui n'a plus pour lui que le fait d'être un être humain, lui dire, oh tu sais, après tout, les êtres humains, on n'est pas différents des animaux. Donc il ne te reste plus rien, mon pauvre Dieu. Alors, j'ai dit aux étudiants ça, et j'ai dit, écoutez, peut-être qu'un jour on va en arriver là, et que ça fera plaisir à certains, parce que notamment ils auront dynamité l'influence judéo-chrétienne. Mais je leur ai dit à tous, j'ai terminé le cours là-dessus, et ça a été très froid le cours, tout à coup. Mais ça les a fait un peu réfléchir, je crois, parce qu'après on en a parlé. J'aurais dit, à ce moment-là, je vous dis à tous, bonjour l'horreur. Alors, faisons très attention à ne pas arriver dans cette horreur. Si vous voulez, le bien commun que nous avons, déjà, c'est l'humanité. Et c'est à partir de cette idée, d'une idée suffisamment vaste de ce qu'est l'être humain, que nous pouvons arriver à avoir des tas d'idées économiques astucieuses, et novatrices et importantes, pour justement gérer les biens communs à partir de ce bien commun qu'est l'humanité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Salamito. Il n'est pas venu de si loin pour rien. Merci encore de nous avoir fait voyager dans les siècles. C'est...
certaines personnes voudraient approfondir la réflexion et demander quelques ouvrages pour aller un peu plus loin. Alors, il y a un très grand spécialiste de Saint-Augustin qui est mort en 2008 et que j'ai bien connu, qui s'appelait Goulven Madec. Donc, Madec, ça s'écrit M-A-D-E-C, hein, Madec, exactement comme ça se prononce, qui a écrit un petit livre Portrait de Saint-Augustin qui est sorti juste l'année de sa mort, en 2008. Et c'est extrêmement bref et il y a la quintessence de toute une vie de travail sur Saint-Augustin. Ça s'appelle Portrait donc, de Saint-Augustin, tout simplement, Portrait de Saint-Augustin, et il n'y a même pas 100 pages. Hein, on frôle les 100 pages, et il a dit, je dirais, l'essentiel. Je signale qu'il avait écrit ce texte d'abord pour sa paroisse d'origine en Bretagne, donc une toute petite paroisse rurale. Il était d'origine très modeste, et il est devenu un très grand spécialiste de Saint-Augustin, qui est resté toujours très humble. Enfin, je garde un très, très, très fort souvenir de lui. Et voilà, il a écrit un petit livre. Alors vous trouverez dans ce livre la bibliographie, ça peut continuer. Aussi, certaines personnes demandaient la définition de bien commun pour Saint-Augustin, savoir si ça se limitait à la notion de vérité. La définition du bien commun, alors il y a aussi tous les biens communs auxquels s'intéresse Augustin, qui sont, mais il ne les appelle pas forcément biens communs, il les appelle les biens, et il montre qu'ils sont communs à l'humanité, c'est toute la richesse de la terre. Vous avez quand même cette idée, chez les auteurs chrétiens, de l'époque d'Augustin, ceux qui l'ont un peu précédé, les générations juste avant, et ceux de sa génération, quand même beaucoup d'auteurs chrétiens qui rappellent que la terre, la création, le monde entier a été donné aux hommes, et que si la propriété privée existe, elle n'est pas un absolu, et qu'elle suppose qu'on regarde la dignité humaine d'autrui et qu'on sache partager. En quoi la vie de Saint-Augustin sur l'aspect finalement assez théorique, voire spirituel, sur les biens communs, pourrait se révéler pertinent dans la gestion pratique des biens communs. Et du coup, qu'est-ce qui manque finalement au christianisme et à d'autres religions, bien sûr, pour avoir un réel impact, pour transformer la société, en fait, et rendre la gestion plus juste. Qu'est-ce qui manque, au fond, aux religions, qu'est-ce qui manque aux croyants? Je dirais que ce n'est pas forcément aux religions que ça manque aux croyants. Alors, ça, c'est une question capitale. Il appartient à tous ceux qui ont une foi ou un idéal de s'interroger sur leur pratique. Je le dis en pesant des mots, je crois que c'est très important. C'est valable aussi pour moi, hein. c'est pas une leçon faite à autrui, c'est une leçon faite à tout le monde, y compris moi-même. Hein. Ça peut être une autocritique. Mais je veux dire, tous ceux qui ont la chance de penser à autre chose qu'à eux-mêmes strictement. Et donc d'avoir le bonheur d'avoir un idéal, d'aimer la justice, d'aimer la vérité, d'aimer la beauté, d'avoir le goût de faire quelque chose pour les autres, ou ceux qui ont le bonheur d'être croyants et de vivre une vie spirituelle, ils ont à, je crois, tirer les responsabilités de cela. C'est-à-dire que si vous voulez, je crois que ce qu'ils ont besoin de se dire, c'est pas simplement « je dois faire ceci ou cela », c'est de se dire « est-ce que je suis heureux de ce que j'ai reçu ?» Bon, si je suis vraiment heureux, c'est pas difficile de partager. Vous voyez, je crois que ce qui manque aux croyants, c'est de ne pas être assez heureux de leur foi. Et à ceux qui militent, c'est un grand malheur s'ils ne sont pas heureux de se battre. Vous voyez, je crois que c'est très très important. Il faut que chacun soit suffisamment heureux de ses convictions pour qu'il puisse en tirer toutes les meilleures conclusions et aussi qu'il puisse les diffuser. C'est pour ça, si vous voulez, que je dirais, parlons des religions. Il faut surtout qu'elles soient vraiment des religions, c'est-à-dire une relation au divin, et pas un réflexe communautaire. Vous voyez, il ne faut pas que ce soit du narcissisme à plusieurs. Hein. La religion n'est pas un nous autres. Hein. Nous autres, les gens bien, et puis les autres qui n'ont rien compris. Ça, c'est, si vous voulez, c'est le réflexe communautaire qui pourrit les religions au cours de l'histoire. Si vous voulez, les religions dans l'histoire deviennent dangereuses quand elles sont un groupe qui dit « nous autres » et « vous qui êtes condamnés ». C'est ça. Et c'est pour ça que Saint-Augustin dit constamment « attention, la frontière entre les gens bien et les gens moins bien, ça ne se voit pas. Ça se verra au jugement dernier. Et le jugement dernier, ce n'est pas l'affaire des hommes. » Ça, Augustin est amené à le rappeler souvent. Et vous verrez que tous les fanatiques, dans toutes les religions d'ailleurs,
Ce sont des gens qui anticipent sur l'eschatologie, ce sont des gens qui anticipent sur la fin du monde. Ils veulent régler les comptes dès maintenant, par eux-mêmes. Et n'étant pas sûrs que Dieu juge bien, ils préfèrent juger eux-mêmes. Et vous savez avec quelles armes entre les mains. Donc, vous voyez, là, c'est là le problème. Est-ce qu'on est une communauté qui se regarde dans la glace et se dit « on est quand même décidément les meilleurs » ou est-ce qu'on croit en quelqu'un qui est vraiment très supérieur et qui est capable d'aimer tous les hommes? Vous voyez, c'est ça la question. Est-ce qu'on est une communauté ou est-ce qu'on croit vraiment en Dieu? C'est ça. C'est la même chose si vous voulez, pour un militant qui milite pour la justice et la liberté. Est-ce qu'il aime vraiment la justice et la liberté ou il aime son mouvement à lui pour la justice et la liberté qui est fait des seuls gens bien tandis que tous les autres sont douteux? Vous voyez? Donc, je dirais, méfions-nous surtout de l'esprit communautaire. Et une autre personne demandait un regret particulier de Saint-Augustin, s'il y en avait un. Très intéressant de leur poser la question. Le regret de saint Augustin, ça revient sans cesse, c'est d'avoir souvent en face de lui des chrétiens qui ne sont pas des vrais chrétiens. Seulement, il ne désespère pas, il leur parle sans cesse et il essaie toujours de les améliorer. Il a passé toute sa vie à prêcher. Et je dirais que là, il y a une certaine façon, une leçon de persévérance. Et je dirais, notre combat, c'est quand on parle de la République, quand on parle de solutions locales, etc., toutes les solutions que nous essayons de proposer, hein, je crois que nous savons tous en nous sommes qui essayons de proposer quelque chose que nous devons nous battre jusqu'au bout pour cela et que nous ne sommes pas prêts de pouvoir nous reposer.